Oh, qu'il est important ce pénalty. Il met un petit peu de temps à le frapper, Youssef El Arabi. Allez, Arabi face à Dia, c'est au fond. Et le Maroc qui mène à 0. Le Maroc qui est pour l'instant qualifié pour la CAN 2017 grâce à ce but de Youssef El Arabi sur pénalty à la 55e minute. C'est pas terminé bien sûr, mais c'est un but logique pour les Marocains qui dominent depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Et c'est un but qui vaut énormément, qui vaut très très cher pour les Lions de l'Atlas. 1-0 pour le Maroc face au Cap-Vert. Ras du sol au centre du terrain. Ton entrée côté marocain dans quelques instants. Nourdine Amrabat. Oh, il est passé, Nourdine Amrabat. Le centre derrière. Oh, c'est dégagé in extremis par la défense et par Carlo Lima. Et le contre d'El Kaoutari. El Kaoutari qui va pouvoir centrer. Deuxième poteau. La tête d'El Arabi. Et voilà, c'est fait. Le Maroc mène 2-0 désormais face au Cap-Vert. El Arabi pour le doublé. Quel travail encore une fois des Marocains avec El Kaoutari qui déborde sur le couloir gauche, qui centre parfaitement pour Youssef El Arabi qui de la tête bat Yosimar Dias pour la deuxième fois ce soir au grand stade de Marrakech. Et le Maroc qui mène 2-0. Hervé Renard qui applaudit bien sûr, parce que son équipe devait s'imposer